C'est la une de tous les médias. La poussée du Front National aux élections européennes a provoqué un électrochoc dans les classes politiques. Ce score historique du FN enverra au Parlement européen environ un député français sur trois. L'UMP est arrivé en deuxième position, suivi du PS. Un échec total pour le gouvernement. Jetons un œil sur les résultats à Roubaix. Le FN est arrivé largement en tête avec un peu plus de 26%, suivi de l'UMP et d'Europe Écologie Les Verts. Sur la commune à présent de Villeneuve-d'Ascq, les résultats ont été beaucoup plus serré, même si le Front National est arrivé en tête avec 19,04%. Il est talonné par la gauche qui a rassemblé 16,07% des voix. Europe Écologie Les Verts, quant à eux, ont fait un score de 13,87%. À Lille, la surprise était aussi de taille puisque le Front National a réussi à doubler les socialistes de quelques voix à peine. Score très serré avec en troisième position les écologistes. Devant ce séisme politique, quelles sont les priorités pour les écologistes? Eh bien, la réponse avec Karima Delli, députée européenne d'Europe Écologie Les Verts. Nous continuerons à nous battre pour notre projet européen, c'est-à-dire une Europe beaucoup plus écologiste, une Europe beaucoup plus solidaire et une Europe fédérale. Donc notre but dans la prochaine mandature, c'est de porter toute notre énergie sur réellement la question du réchauffement climatique, la question du dumping social, la question aussi des investissements, parce qu'aujourd'hui, face à la détresse des gens, nous refusons les politiques d'austérité, mais nous voulons absolument mettre en place un plan de relance au niveau européen. Dans le reste de l'actualité, l'auteur de la fusillade de Bruxelles est toujours en liberté. L'attentat qui s'est déroulé samedi après-midi dans un musée juif a fait 4 morts. Un suspect a été arrêté puis relâché. Sur les caméras de surveillance, on voit un homme seul portant une casquette, des lunettes et un sac noir en bandoulière. Après avoir épluché les caméras de surveillance, la police belge lance un appel à témoins et diffuse ses vidéos avec comme description un homme de corpulence moyenne, athlétique, qui se déplace avec souplesse. Visiblement, l'homme s'était bien préparé. L'attaque n'a pas été revendiquée, les policiers n'écartent aucune piste. Retour sur la métropole lilloise où un accident s'est déroulé ce midi à l'homme. Une paroi mal fixée s'est effondrée dans un restaurant scolaire blessant 3 enfants. 3 enfants âgés entre 8 et 10 ans. Payer ses achats par empreinte digitale sera bientôt possible. Certains pays le font déjà. En France, après une période de test de 6 mois, le paiement biométrique confirme son attractivité. 94% des personnes l'ayant utilisé se disent prêts à l'adopter. Rapide, simple et efficace, ce nouveau moyen de paiement garantit le respect de la vie privée et des données personnelles. À Lille, sur le site de RAT Technologies, l'entreprise Natural Security a mis au point ce système. Pour comprendre son fonctionnement, voici une petite démonstration. À l'intérieur de mon support personnel, qui est un smartphone, sont enregistrées mes données biométriques et une application de paiement. Donc mon support personnel, je n'ai plus à le manipuler quand je passe en caisse. Donc je peux l'avoir directement ici dans ma poche. Et au moment de payer, au lieu de rentrer ma carte bleue dans le terminal de paiement, je pose simplement mon doigt sur le lecteur biométrique, comme ceci. Et à ce moment-là, le lecteur biométrique va analyser tous les supports personnels environnants, jusqu'à ce qu'il trouve le support personnel qui détient ma donnée biométrique. Et à ce moment-là, l'authentification est réalisée. Une technologie innovante, pratique et aussi très sécurisée. Donc ça, c'est des aspects très importants. Sécurisés parce que dans leur support personnel était enregistré leur biométrique et cette donnée sécurisée est très importante pour eux. Les utilisateurs français sont très soucieux de l'utilisation de leur biométrie et ne souhaitent pas qu'elle soit utilisée sur des bases de données. Et c'est grâce notamment à cette donnée sécurisée que nous avons eu l'autorisation de la CNIL pour réaliser cette expérimentation. Elle en a fait rêver plus d'un avec sa ligne et son moteur. La 205 GTI fête cette année ses 30 ans. Pour l'occasion, le club éponyme parcourt la France et s'arrête aujourd'hui à l'Homme jusqu'au 7 juin. Une opportunité pour tous les fans de la découvrir d'un peu plus près. Connue pour sa puissance et sa fiabilité, cette voiture a été produite en 300 000 exemplaires et 10 000 sont encore en bon état. Cette 205 GTI repartira ensuite pour sillonner les routes de la France jusqu'au 13 septembre avec une ultime étape à Sochaux. Une voiture en tout cas de légende qui ne passe pas inaperçue. Les précisions au micro d'Adélaïde Bollard.
Le club est parti sur une idée de dire on achète une voiture et la voiture fait un tour de France pour fédérer les régions, pour une convivialité. C'est ce qu'on revendique, ce sont nos valeurs au club, on revendique cette convivialité. Cette voiture donc, parcourt la France, c'est une voiture qui a été choisie, qui a été fiabilisée. Cette voiture appartient à tous les membres jusqu'à la dernière sortie, concentration à Sochaux, où là, elle appartiendra déjà à un heureux qui l'aura gagné quand la Dombola sera tirée. Et on termine en musique. La finale du tremplin du Main Square Festival s'est tenue ce week-end. On connaît les heureux gagnants. Il s'agit de trois groupes: Nordis, Desert Pocket Mouse, Anorexic Sumotori et Pink Falda. Ils seront tous les trois début juillet à la Citadelle d'Arras, aux côtés de grands noms tels qu'Iron Maiden, Stromae ou encore David Guetta. Fin de cette édition. On se retrouve à présent pour votre météo.